Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à chacun d'entre vous qui nous rejoignez pour cette célébration du quatrième dimanche de l'Avent, animée par deux nouvelles animatrices chanteuses. C'est un renfort dont nous pouvons rendre grâce déjà. Ça fait du bien de voir des gens prendre un peu le relais et donner un coup de main pour nous aider à chanter et à animer. Et puis, nous accueillons aussi, parce qu'il faut le faire, tous ceux qui regardent cette vidéo et qui nous suivent depuis chez eux, de près ou de loin. Il y en a qui nous regardent de très loin pour suivre cette messe. Entrons dans cette célébration en demandant au Seigneur toute sa miséricorde pour nous accompagner, cheminer vers Noël. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. Nathan répondit au roi : Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël.
Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable ta royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'établirai ta dynastie pour toujours, je bâtirai un trône pour la suite de des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je garderai mon amour, mon alliance avec toi. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre de Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ à toute la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous m'accompagnez quand même, d'accord? Hop, on y va. On y va. Allez. Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Vous avez pu remarquer que depuis le début du temps de l'Avent, je me suis efforcé de lire les textes qui nous étaient demandés de commenter avec comme thématique le silence, l'absence de parole ou le non-dit qui permet de découvrir quelque chose de différent d'autre. Et il y a ici, dans les textes que nous venons de lire, des choses intéressantes qui nous explique cela, à commencer, bien entendu, par ce qu'a dit saint Paul dans la lettre que nous avons lue. À celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Un mystère qui existe, qui est bien présent, mais qui encore prend le temps de la patience avant de se manifester, avant d'être porté à la connaissance des nations. Déjà, dans la première lecture, nous voyons comment une parole, un peu prononcée trop rapidement, peut prendre un nouveau sens, une nouvelle tournure. Vous avez entendu, tout comme moi, comment David veut bâtir une maison pour Dieu, et il en parle à son prophète Nathan. Et Nathan lui dit quelque chose de très fort. Il lui dit, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Cette parole du prophète Nathan va résonner et se répercuter plusieurs fois au cours de l'histoire biblique, et on l'entendra de nouveau dans l'évangile que nous venons de lire, lorsque l'ange dit à Marie, « Le Seigneur est avec toi. » Marie, donc, reprend cette même parole que Nathan avait dite de la part du Seigneur à David. Mais voilà que lorsque Nathan dit cela à David, il n'a pas encore vécu sa nuit d'expérience de songe. Dans ce sommeil
où rien ne se dit, une parole de Dieu survient et entre un peu en Nathan pour révéler quelque chose de différent. Si David se précipitait à vouloir construire une maison pour le Seigneur, un peu trop vite, voilà que Nathan, de la part du Seigneur, vient lui dire « Attends, attends, c'est pas toi qui bâtiras une maison pour Dieu, c'est Dieu qui bâtira une maison pour toi. » Et quelle maison ? Quelle maison ? Le prophète, de la part de Dieu, parle de royauté stable, d'un temps de paix et surtout d'une descendance. Une descendance qui sera aux yeux de Dieu un signe, un acte de filiation divine. Il sera pour moi un fils. Révélation d'un mystère déjà là, en gestation, en germe, et qui sera mis à la pleine lumière au jour de Jésus. Mais revenons à l'évangile qui nous intéresse. Dans cette page d'évangile, il y a comme un lien direct, un temps, un espace-temps direct entre ce que peut dire Dieu à l'ange et ce que répète l'ange à Marie. On ne sait pas cette première partie, mais elle est sous-entendue dans ce que dit l'ange directement à Marie. Et que lui dit-elle ? Qu'est-ce que l'ange peut dire à Marie ? Il lui dit « Sois comblée de grâce, je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez que je vous l'ai déjà dit, la Vierge Marie n'est pas une pauvre demeurée. Souvent, on fait de Joseph et Marie des gens un peu béats, qui n'ont pas beaucoup d'éducation, des pauvres, des braves, comme on dit à Marseille, des pauvres gens, hein? Ils n'en ont pas beaucoup dans le caberlo, ceux-là. Hein? Mais non, ce n'est pas ça. Marie est fille descendante de la maison des grands prêtres. Sa cousine est mariée à un grand prêtre qui est actuellement en service à Jérusalem. Elle connaît très bien l'Écriture. Et lorsque l'ange lui dit « Le Seigneur est avec toi », je suis sûr que ça lui fait tilt dans la tête et qu'elle se rappelle ce que le Seigneur avait dit à David par le prophète Nathan. Première chose. Et donc, elle ne répond pas. Vous avez remarqué. Par contre, l'auteur de l'Évangile nous présente l'attitude de Marie et combien elle est transformée. Si bien que, à cette parole, quand elle est toute bouleversée, on pourrait se dire finalement, l'ange, il est venu chez elle. On nous dit, l'ange entra chez elle. Où ? Dans sa maison ? Ou en elle-même ? La question peut être soulevée et elle peut nous intéresser parce que si l'ange entre en Marie, si l'ange peut entrer en Marie et si la parole de Dieu peut entrer en Marie, combien pouvons-nous, nous aussi, à la suite de Marie, vivre cette même expérience de la parole de Dieu qui entre en nous et qui nous transforme totalement, qui nous bouleverse. Et il y a des gens qui, effectivement, au milieu de nous, autour de nous, peuvent être bouleversés, transformés totalement de l'intérieur par une parole qu'ils considèrent venant de Dieu. L'ange continue, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » et lui explique la situation. Voilà ce qui va se passer. Marie n'est pas interrogée sur pourquoi. Elle sait, elle connaît l'Écriture, elle sait que le Messie doit venir et qu'il doit venir au milieu de son peuple. Donc elle ne pose pas la question du pourquoi, mais le procédé, comment ça va se faire ?
comment ça va se passer, parce qu'elle ne connaît pas d'homme. Alors, comment ça va pouvoir se réaliser ? Hier soir, je disais aux paroissiens de Saint-François-Xavier que, contrairement à Marie, nous pouvions nous poser la question « Pourquoi la chaudière ne marche toujours pas ?» Ça fait 3 fois que le technicien vient et on n'a toujours pas la cause de la panne et la chaudière ne marche toujours pas. Pourquoi ? On pourrait se poser la question du pourquoi le virus est venu nous casser les pieds, pour ne pas dire autre chose, pour que nous puissions vivre sereinement les fêtes de Noël et vivre notre vie quotidienne de manière ordinaire. Non, non. On pourrait se poser la question, mais comment ce vaccin va-t-il pouvoir nous sauver de ce virus ? Et puis après, il y a toutes les questions derrière. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, et comment, et pourquoi ? Là, avec Marie, c'est comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme. Et parce qu'elle n'est pas plus curieuse que ça, parce que vous avez vu la réponse de l'ange. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Est-ce qu'il a répondu à la question de Marie ? Pas exactement. Et en même temps, un petit peu. Parce que forcément, Marie connaissant l'Écriture, elle sait ce que cela veut dire, que l'Esprit Saint vient couvrir de son ombre quelqu'un. Il y a déjà l'expérience dans l'histoire biblique de personnes qui ont vécu cela. Donc, elle entre dans l'histoire à la fois pour elle-même, mais aussi pour son peuple. Et c'est souvent de cette façon que les choses se passent. Lorsqu'une personne est bouleversée, qu'elle est transformée de l'intérieur, lorsqu'une personne est couverte de l'ombre de l'Esprit Saint, ce n'est pas que pour elle-même souvent. C'est aussi pour ceux qui l'entourent, pour ceux qui partagent sa vie, pour faire signe, signe que Dieu est présent au milieu de l'humanité, déjà. Alors, même si Marie ne poursuit pas son questionnement, l'ange lui donne cette réponse-là, et parce qu'elle ne donne pas plus de curiosité à cela, elle récupère en échange une autre information, un autre cadeau. Et ce cadeau, c'est l'annonce que sa cousine, elle aussi, attend un enfant. Dans ces non-dits de paroles, dans ces absences d'interrogations trop directes et trop profondes, trop jusqu'au boutiste pour savoir vraiment tout du pourquoi et du comment, relation à toute personne ayant vécu ou étant en train de vivre qui se pose trop de questions sur le pourquoi et le comment, jusqu'à aboutir parfois à des irraisonnements, n'est que pure fortuité. Ici, parce qu'il se passe cela, il y a en prime un cadeau. Et c'est Élisabeth qui attend un enfant. Marie ne parle pas beaucoup, mais reçoit déjà la parole qui la transforme et qui lui fait concevoir son fils. Elle ne dira qu'une parole à la fin, comme le petit prophète Samuel. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », disait Samuel à Dieu. « Ici, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et si l'évangile se termine ainsi par cette parole-là de Marie, ce n'est pas pour qu'elle reste parole de Marie, mais pour qu'après elle, toute personne, toute génération et de génération en génération, cette parole puisse résonner et être reprise. Reprise par chacun de nous, pour que nous puissions à notre tour, sur les pas de Marie, aller jusqu'à Dieu, être à l'écoute de sa parole, la garder comme un mystère silencieux en soi, puis
en être bouleversé, puis en rendre témoignage. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec Marie, la maison que tu as choisie pour la venue du Dieu fait homme, écoute les prières qui nous tiennent à cœur. Et les enfants isolés trouvent accueil et sécurité. Seigneur, nous te prions. Le chômage et la précarité trouvent en cette période difficile une place respectueuse de leur dignité. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ensemble pastoral, bienheureux Abbé Fouque, se prépare à l'approche de Noël à accueillir ceux qui cherchent un peu de chaleur et de lumière. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Avec Marie, de la venue du Dieu fait homme dans la joie et la lumière. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
Merci, Seigneur, de nous permettre avec Marie de suivre ton chemin de justice et de paix. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'ai le micro là, donc évite de faire du bruit à côté. Le livre. Viens avec le livre. Voilà, ça, le papier, tu le reposes là-bas. Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché. Purifie-moi. Lève ton truc. Encore. Merci. C'est comme le thé qu'il faut que tu fasses. Ok. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons... Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui jusqu'au jour dernier. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier, Sainte Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions particulièrement ce matin pour Marie Giovancelli, pour Jean-Louis Borel, pour Gilbert Magendi et pour Sylvie Didier que nous accompagnerons mardi. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, cet esprit qui nous bouleverse, qui nous transforme et qui nous fait chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez un geste de paix qui respecte la distanciation physique. La feuille aussi. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
passe par là. Le corps du Christ. 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 Mais c'est bon. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous un instant. Que le Seigneur vous bénisse pour porter la communion de nos frères et sœurs par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est les deux qui y vont, ce n'est pas vous. C'est eux qui reçoivent la bénédiction, vous c'est après. Ceux qui font le signe de croix, c'est en trop. Chacun son tour. Alors, je vais enlever ça quand même, parce que sinon on ne voit plus rien. Première indication, pour ceux qui aident à ranger les micros, nouveau système. Pour éviter de se baisser pour aller brancher là-bas, on débranche ici uniquement. Hop là! Et on met le fil de côté. Et on range le reste. Mais le fil, il reste. On ne va pas nous le piquer. D'accord? Le pupitre qu'est là, le lutrin, il ne va pas dans la sacristie. Il va là-bas dans le fond, plus pratique. Ça évite d'avoir à le sortir, à le faire passer par la porte et éventuellement à l'esquinter. On essaye de simplifier les affaires. Les dames prenant de l'âge, le curé prenant de l'âge, et il faut se ménager. Voilà. Ensuite, ça va mieux. Ensuite, lui, il a attrapé le Covid. Faites gaffe. Hein. Il n'arrête pas d'éternuer depuis tout à l'heure à côté de moi. Là. Ouh, c'est pas bon ça. Maman, attention, hein? Patricia, fais gaffe. La semaine qui vient, mardi à 8h, la messe à Sainte-Anne. Mercredi à 19h, la messe à Saint-François-Xavier. Jeudi 24 décembre, la messe à 18h30 à Saint-François-Xavier. Ou la messe à Sainte-Anne à 21h. J'ai un sondage. Qui viendrait à 21h? Levez la main. Eh bien, les autres, vous n'êtes pas bons. Hein? Moi, je vous le dis, hein? Vous risquez de ne pas avoir de place à Saint-François-Xavier. Hein? Tant pis pour vous. Hein? Il faut respecter le protocole. Hein? Tant pis, on verra. On va faire comme ça. Hein. Ensuite, vendredi 25 décembre, 10h30, messe à Sainte-Anne. Qui c'est qui va venir? Ah, c'est pour ça, vous n'allez pas venir le soir, vous allez venir le lendemain. Ouf, ça va, je suis sauvé. Je commençais à avoir des sueurs froides. Merci. Parce qu'alors, sinon, ça va être costaud. J'en ai mis que deux des messes le soir. Dans mon copain à Mazargues, il en a mis quatre le soir. Bon. Sachez quand même, préparez-vous à un troisième confinement. Hein. Aujourd'hui, 16 000 cas. Et on a passé 284 morts, je crois. Non, c'est pas ça? Comment? Oui. Tu prendras une attestation spéciale culte. Alors ensuite, évidemment, pour ceux qui avaient l'habitude des apéritifs, du repas du 1er janvier, c'est raté. Hein? Par contre, si autour de vous, vous connaissez quelqu'un qui risque de se retrouver tout seul à Noël,
Peut-être que si vous avez moins de 6 personnes à table, ça peut être une occasion d'inviter quelqu'un. On ne sait jamais, hein? Voilà. Autre chose que je voulais dire. Oui, du coup, vendredi 25 décembre, messe ici. Samedi 26, rien. Dimanche 27, la messe de 10h30 à Saint-François-Xavier. Pour la Sainte Famille. Une seule messe, je pense qu'on devrait s'en sortir. On espère avoir le chauffage. C'est pas gagné, hein? Je vous le dis, hein? C'est pas top. Hein? Hier, au bout d'une heure, ça continuait à cracher froid. Hein? Rien de plus. Jean, est-ce que dans le sas, le meuble est retiré? Regarde. Contre la porte, là. Il n'y a plus rien. C'est bon. Tu peux ouvrir les portes. Voilà. Allez, dernière bénédiction. Cette fois-ci, elle est pour tous. Et on peut remercier celles qui aujourd'hui ont travaillé pour la première fois à animer les chants. Anne et Béatrice. Alors Anne, on va la retrouver pour le 25. Hein. Elle sera là aussi. Elle enchaîne. C'est bien. Hein. Allez, le Seigneur soit avec vous. Ouh, Raphaël, tu peux déjà aller en bas, n'attends pas. Allez, en bas des marches. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée. Attends pas, tu viens directement là, comme ça c'est fait. Allez, c'est parti.